J'aime pas utiliser la carapace ici. Je vais reset. Ou alors je fais du NI% quand j'ai la carapace, quoi, mais good. En vrai, si c'est une carapace, je prends pas. Voilà. Ok. Donc dans ce niveau, deux pièces étoiles à ramasser. J'étais un poil lent. J'aurais pu être un poil plus rapide, j'ai appuyé trop sur gauche. Ok. Pour l'instant, ça ressemble juste à un No Secret Exit. Sérieux ?
Putain. Je fais n'importe quoi. Et en plus le Red Lock qui fait 10 000 km. Donc sur celui-là, j'ai calculé que si on prenait pas la sortie, on gagnait un certain nombre de frames, mais je sais plus combien, qui équivaut à peu près à 1 seconde, il me semble. Donc on va pas prendre on va pas prendre le tuyau. C'est pas grave si on rate une pièce étoile, pour info. J'aimerais bien. Je sais pas où est le power-up en fait. Je me souviens plus. Bon, au pire, il y a les. Au pire, il y a les anneaux, donc on pourra. Si jamais. Ok, nice. Putain, c'est pas vrai, mec. Oh, y a moyen que ça gagne du temps, hein. Vu qu'il y a eu le red block et tout. Hop là. Faudrait que je ramasse une fleur là. Sais pas si ça passe le cycle là. Ah, bien sûr que ça passe pas. Je crois qu'il y a un souci avec les temps, hein, par contre. Ah non, si, je sais pourquoi. Parce que je prenais pas l'item avant. Ah. C'est tout à fait normal.
Hop. De toute façon, on a perdu du temps. Le but, ce serait peut-être de terminer une run sur la nouvelle route. Et puis voilà. Le gold est bidon ici. Faut pas que je rate mes splits par contre du coup. Salut Spector, comment tu vas? Merci pour le good luck bien sûr. Comme d'habitude. Oh, je fais n'importe quoi. Complètement rouillax. Écoute, ça va, c'est dimanche, il fait beau, on est content, tu le vois à travers ma fenêtre. Ok, ça c'est bien. Donc là, normal. Ensuite, la secrète. Bon, du coup, si mon live split paraît bizarre, c'est parce que j'ai changé la route. Hop là. Comme j'ai eu le world record sur Princess Peach récemment, je me suis dit, allez, on va changer, on va rechanger de jeu. En gros, avant, j'utilisais une route que je faisais un peu à ma manière, entre guillemets. Et nice, 45. Je faisais un peu, c'était ma propre route, entre guillemets. Et maintenant, je fais la route avancée sur speedrun.com. Enfin, là, une route normalisée de speedrun.com. Pour les top players, donc qui fait quand même gagner plus de temps, je pense, que ma pauvre route. Oh, mais c'est pas vrai, mec. Sérieux. Donc parce que ce qui est cool sur speedrun.com, c'est que sur ce jeu, ils ont classé, enfin ils ont créé des routes pour les débutants, pour les intermédiaires et pour les pros entre guillemets. Du coup c'est cool. Donc tout cas seul, normal exit.
Hop là. Mon objectif sur le long terme, en vrai, peut-être pas World Record, mais top player, oui. Genre top 3. Actuellement, je suis déjà top 5, il me semble. Le but, ce serait d'être top 3 ou... Ouais, je sais pas. Top 3, ce serait bien. Je sais que Greg, le meilleur français sur ce jeu... Et deuxième sur cette catégorie, avec un 1,46 il me semble. Et après le troisième c'est PJ avec un 1,48 il me semble. Donc déjà le but serait d'avoir un sub 1,50, ce serait vraiment propre. Et j'en suis largement capable. Mais après à long terme, non peut-être pas le World Record. Je sais pas si je me... Je sais pas si j'ai les épaules pour... Alors là, il faut pas se chier. Il faut absolument avoir la carapace en rechange. Nice, parfait. Nice. Donc j'explique rapidement la catégorie. All Levels consiste seulement à compléter tous les niveaux au moins une fois. Et peu importe la sortie. Sauf que dans ce jeu, comme il y a des niveaux qui sont secrets et des niveaux qui sont uniquement accessibles via des sorties secrètes, on va faire certains niveaux deux fois. Quelques niveaux seront faits deux fois. Comme par exemple celui-là. Ok, ça va. Non, j'ai pas besoin de prendre les 3 pièces. C'est pas du 100% en réalité. C'est une sorte de 100%, mais pas un vrai 100%. Du coup, j'ai fait la sortie normale de 3-2, qui va, dans le futur, nous donner l'accès à 3 towers. Oh putain, j'ai eu chaud. D'un peu plus, ça passait pas. Hein. Oh là là. J'ai ralenti pour pas me prendre le 66 qui nous donne des feux d'artifice. Voilà donc. Et à ce moment-là, la route. Déjà même à partir de, du monde 2, la route change par rapport à mon ancien PB. Donc ouais. Nice. Parfait.
beaucoup, Laura. Donc là, le but, c'est de pas perdre sa carapace jusqu'au monde 8. Nice. Là, il fait tout le tour là, mec, t'es sérieux? Tu pouvais juste aller à gauche, hein. Il est chiant, sérieux. Ici, on va attendre. Voilà, 63, c'est bien. Ensuite, le poisson, ça c'est la RNG. Nice. Oh, MG! Incroyable! Nice! Bonne RNG. Hop, 3 castles. Nice. C'est parti. Pas de quick side glitch parce que je sais pas très bien le faire. Faudra que je l'apprenne dans le futur. Enfin, que je m'entraîne mieux dans le futur plutôt. Voilà donc la sortie secrète de 5-2. Pas besoin de plus, hein, une sortie ça suffit. Parce que la prochaine fois en fait je ferai un autre passage dans monde 5 qui me fera passer par 5A et 5 tours. Du coup pas besoin de débloquer les deux sorties de 5-2. Comme on n'est pas en 100%. Encore une fois ici, pas besoin de toutes les pièces étoiles. On prend vraiment celles qui sont sur notre chemin, celles qui sont très rapides à prendre. Parce que effectivement, il nous faut quelques pièces étoiles pour débloquer certains passages.
Notamment les on l'a vu tout à l'heure sur 1A, on est obligé d'avoir 5 pièces étoiles pour débloquer le passage. Et donc là, Ghost House. Merde. Je fais n'importe quoi. Soixante et onze, soixante et un, soixante et onze. Hop. Est-ce que les Belges disent octante? Parce qu'ils disent septante mais et nonante, mais est-ce qu'ils disent octante? Hop là. Pas le meilleur Ghost House à cause du de la vine, mais tout va bien. On est censé faire un petit temps sur cette route et ensuite améliorer au fur et à mesure. Pour le moment, jusque-là, on n'est pas trop mal, je pense. Canons. Et c'est parti pour 8-1. Nice. Pa-pa-pa-dam. J'ai pas en practice ce niveau. Hop là. C'est bien, c'est pas mal. Hop là. Et donc sur celui-là, j'ai quand même ma carapace en rechange pour le level suivant, mais j'ai pas prévu de le faire. De le faire en carapace, celui-là. Nice. Good, good, good.
Nice. Parfait. Je sais pas combien, je sais pas comment j'étais dans mon PB, mais mais pratiquement sûr que ce que j'ai fait n'était pas trop mal. Ok, donc pas d'item. Donc là c'est juste 8-3 avec la carapace. Allez, on se prend la petite fleur en rechange. Là, on peut prendre une pièce étoile sur le passage, il faut que j'y pense. Pas celle-là, on s'en fout. La première, c'est vraiment la seule qui est sur le passage dans ce niveau. Donc là, contrairement à d'habitude, on ne va pas prendre de dégâts. Mais on va justement garder notre carapace pour la suite. Hop. Alors. Petite pièce étoile sur le passage. Ok, ça va. Franchement, je pensais faire pire, mais en fait, ce passage est assez dur. Je connais pas vraiment de technique pour manipuler l'araignée de manière à ce qu'on puisse sauter direct en face, mais. Ouais. Donc là, il faut qu'on garde absolument notre carapace en rechange pour 3-3 et Ghost House. Pas en rechange, notre carapace tout court même. Ok. Ah non! Ah ça c'est moche, ça c'est très très moche. Fallait bien qu'une couille arrive, hein. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher une carapace. Parce que là, ça va durer trop longtemps. Hein. Je vais chercher une carapace ici. C'est le backup. Thank you.
Et là, c'est là qu'il me donne une carapace. Ok, non, c'est bon. Ta 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 ta. Nice. Là, on risque de se choper 55, c'est bon, 56, tout va bien. Bon, j'ai perdu 20 secondes à peu près à utiliser une... Enfin, à chercher une carapace, mais... Je pense que c'était nécessaire parce que sans la carapace, ce niveau est vraiment super long. Et en plus, celui-là aussi. Parce que normalement sur ces pentes là on est censé activer des escaliers. Wow. C'est tendu. On est censé activer des escaliers. Et on peut slider en fait le long de ces pentes en carapace. Ce qui est très très pratique en speedrun. Donc voilà, c'est pour ça qu'on cherche à garder cette carapace. J'ai presque réussi hein, pour le coup, ça allait être sympa. Donc 3 canons qui nous mènent direct au monde 6. Je sais plus si j'achetais d'abord 6A. Je me souviens pas. Donc là, on va volontairement se prendre des dégâts parce que monte 6, c'est pas très pratique en carapace. C'est dans la route. Nice. Petite carapace, petite pièce sur le passage. Ah, oh, c'est beau! Quel skill! The Rudy! Faut bien que je me jette des fleurs un jour. Ok, 6A, donc un level assez fun en réalité. Oups. Hop là. Je suis peut-être légèrement chié. Ok, ça va. Bon, prochain item qu'on essaie de choper, ça va être une fleur en rechange sur 6 Tower 1. Là, ça serait l'objectif. 6-2. Un peu dommage ça.
Oh, y a rien qui va, putain. Oh, y a rien qui va là. En fait, j'ai le fait que j'ai raté mon triple saut là-bas, ça a pas du tout aidé. Donc forcément, je perds beaucoup de temps. Genre un truc comme 10 secondes. Par rapport à une exécution normale, je parle. Ok, donc Six Tower One, avec une pièce étoile à la clé. Nice. Je suis en train de gold tout là, j'ai l'impression. Ok, 6-3. On a quand même une petite info, genre le best. Nice. Petit écran du bas. Ok, nice. Attends, what? Ah non, mais je me suis chié, c'est pas 6-5, c'est 6-3, enfin c'est 6-4. Faudrait que je change ça. Je me suis chié, c'est pas grave. Ah! Ah! Ok. Ça sera pas 44. 43, nickel. Tower 2. Nice. 54. C'est plutôt bien. Encore une fois, je détruis le best. Franchement, il y a moyen que je PB hein, sur cette run là. Si j'arrive bien à monde 7 et tout,
ce XB. Wow. J'ai raté le red block. Par contre, j'ai failli rater. Enfin, j'ai failli rater ma vie là. C'était. Ça allait être un peu grave. Oh non, FF. C'est pas vrai, mec. Bon bah deuxième fail majeur, j'étais censé récupérer une... J'étais censé récupérer une carapace ici. Alors je sais pas si je vais en chercher une ou si je le fais... ou si je fais le level à la mano. Putain, ce serait bien si j'en avais une quand même. Ouais je peux pas, je peux rien acheter là en plus. Je suis obligé de le faire comme ça. Ok. Ça va être tellement lent. C'est particulier de faire ce niveau en feu de feu comme ça, c'est assez agréable en vrai. C'est assez marrant. Mais par contre, ouais, j'ai perdu genre 20 secondes, je pense. En carapace, je termine à quel timing ici? 330 et quelques peut-être? Ouais, donc 20 secondes, je pense que c'est pas déconnant. Allez, 6-6. Nice. Pam pam. Nice. Voilà, donc dans cette run jusque là, deux pertes de carapace qui ont coûté pas mal de temps au final. Mais jusque là je crois que je suis pas mort. Voilà, il fallait bien jinx quelque chose. Ouais. On va se reprendre ça.
Nice. Ah non, je suis con! Fallait pas faire ça! Oh le con! Faut faire un hit normal sur celui-là! Oh non! Bah, j'ai oublié! J'ai tout simplement oublié quoi! Bon, ça va. J'ai pas trop perdu de temps au final. Prends la clé par contre, Mario, s'il te plaît. Et ouais, c'est chiant de pas avoir eu de fleurs ici. Est-ce que le Red Block va nous en donner? Ça serait bien. Non, pas de fleurs. Ok, ça va. Je commence à être pas trop mauvais sur mes backups. Quoi, encore un gold? Non, mais c'est pas vrai. Je n'y crois pas une seconde, mec. En même temps, ça faisait mon PB est assez vieux sur cette catégorie, il date d'il y a un an à peu près. Donc j'ai quand même pas mal step up en skill depuis quoi. Notamment en 100% et le No Secret Exit aide un peu aussi sur cette catégorie. Parce que tu es un peu plus de niveau. Et le 100% aussi, le gros step up en 100% y est pour quelque chose aussi. Je pense. Ok, pas trop mal. Ok, donc on a une mort et deux gros fails jusque là. Alors, ce red block faudrait l'activer pour pas qu'il revienne. Ah! Ok. Donc 2-6, un auto-scroller. N'hésitez pas à me raconter votre semaine ou votre week-end, car j'ai tout le temps de lire le chat. Je peux rester là. Je peux rester là au milieu pendant bien 40 secondes, ça passe. T'es parti en Italie cette semaine? Ah mais peut-être. Ah mais c'est les vacances, c'est pour ça. C'est vrai que c'est les vacances en ce moment. C'était bien, t'es parti où en Italie?
Moi perso j'ai fait la Toscane avec mes parents en voiture. Et c'était très 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 bien. Très très sympa. Jusqu'à Florence on est allé. À Rome plus Vatican, ok. Cool. J'ai fait Florence et c'est déjà très très grand et très stylé. Hop là. Et Rome, peut-être que je le verrai un jour, mais ça me paraît encore plus énorme que ça me paraît encore plus énorme que Florence. En même temps, je pense que c'est le cas, hein, vu que c'est la capitale. Nice. En plus, il faisait beau. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Là, actuellement, il fait très très beau aussi. Presque envie de faire un stream. Un speedrun dehors. Genre je me mets dehors et puis je joue à la DS sur ma terrasse. Je me mets l'écran, je me mets le PC à distance et puis c'est parti. Salut Sorendo. Ah par contre, ah je suis très con, j'aurais dû prendre une fleur en rechange. C'était ça qu'il fallait que je fasse dans ce niveau. Oh c'est pas grave. Bon, du coup, ce rando, tu vois un petit peu qu'on est de retour sur, sur NSMB. Et cette fois-ci, c'est la sortie secrète qu'on va prendre. Oups. Ouais, j'ai le world record sur Princess Peach, let's go! Allez, donc. Le sub 1.31, ouais, 1.30.30. Et le sub 1.30 est largement possible aussi. Wow. Ok, bonne RNG sur celui-là. Par contre, je me tape des. Ah non, même pas, parce que c'est un fin de château. Avec le 22, j'étais susceptible de me taper des feux d'artifice. Mais tout va bien comme c'est un château. Nickel. Allez. Nice. Greg est deuxième, ouais. Alors mon objectif serait d'être troisième parce que être deuxième, ça me paraît un peu pour le moment un peu hard. Mais on verra. Ah, Laura va passer devant la caméra. Coucou. Hop là. Ouais, et ce speedrun, le all level, s'il est trop cool parce que tu vois l'entièreté du jeu sans forcément faire tout à 100%. Donc, encore une fois, ce serait une super catégorie à présenter en marathon. En tout cas, je la submettrai pour les prochains marathons auxquels je serai peut-être amené à participer. Bien qu'il y ait quand même
certains niveaux qui soient un peu chiants. Genre ça, celui-là. Hop là. C'est vrai que c'est dur. Et en marathon, c'est assez ballsy à faire, je pense. Mais j'ai envie de me donner le défi, en tout cas. Là, on peut prendre les pièces étoiles. Vu qu'on a largement le temps. Que ce jeu soit un peu oublié et que les gens ne l'aiment pas trop, pas tant que ça en réalité. Mais bon. Alors là, il y a une pièce, une troisième pièce étoile à récupérer via ce tuyau, mais on ne le fera pas parce que ça fait perdre du temps en levels. Genre, ça a pas tué le chip-chip là, la boule de feu était clairement sur lui. Faudrait que j'apprenne à faire cette fin là. Cette fin comme il faut. Ok. Cat Tower. Nice. Nice, parfait. Très clean ça. Cinquante-deux. Nice. Je te fais de. J'arrive à te faire des moves là sur cette run, c'est incroyable. Je sens que j'ai vraiment step up en skill sur ce jeu, ça fait vraiment plaisir. Par contre, je suis totalement pas du tout en train de local recording. J'ai complètement oublié. Du coup, si jamais ça pb, faudra que j'uploade la VOD Twitch. Nice. 4A niveau de merde, ouais, je suis d'accord, mais quand tu sais bien le faire, c'est ça va. Mais il est assez stressant, je suis d'accord. Bah 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 bah. Thank you.
Oups. Salut Bibi. Bon dimanche à tous. Ok. Ghost House. Normal exit pour avoir accès au... Pour avoir accès à la suite. Nice. Good. Allez, 54. C'est bien. Ah, je suis en train de faire un truc vraiment clean. Hein. À part une mort et deux fails. Enfin, à part une mort et deux fails majeurs, je dirais. Oh, ça c'est moche ça. What? Ok. Eh ben écoutez, nous allons jouer safe, hein. Faut que je révise cette section là où je dois sauter. Faut que je me souvienne de comment sauter ici. Ouais, je vais utiliser ma fleur en réserve du coup. Mais c'est pas vrai, mec. Tout va bien. C'est pas le meilleur 4-6, mais ça va. Yeah.
Alors là, je vais pas tenter le diable. Ok, jouons safe. Sur celui-là. Le Goomba, incroyable ce boss. Je trouve que c'est le boss le plus à chier, enfin le plus nul de ce jeu, mais... J'ai un peu raté mon spam au début. Allez, on passe au monde 5, mesdames et messieurs. Deuxième monde 5, on va dire. C'est de par sa simplicité qu'il est incroyable. On peut le voir comme ça aussi, c'est vrai. Hop là. Ok, j'ai déjà ma fleur en rechange. Bon, bien, une partie du jeu arrive bientôt. Une partie du jeu stressante de la run arrive bientôt, je voulais dire. Notamment, c'est surtout monde 7 en fait, avec des mouvements assez précis à faire en mini Mario. Donc... on verra bien si ça passe. En tout cas, dans mon PB, je les avais réussi, donc... Petite porte. Et là, c'est la fin des pièces étoiles, du coup. Plus besoin du tout de pièces étoiles. Nice! C'était rapide, ça. Très très clean.
Hop là. Encore une fois, un niveau auto-scroll. C'est un des derniers, hein, celui-là. Je crois que c'est même le dernier. Il dure 2 minutes et quelques. Ouais, 2 minutes. 2 minutes 44. On peut prendre les pièces étoiles, mais. En soi, on s'en fout un peu. Salut Caroncool, j'ai changé ma route, c'est pour ça que les splits apparaissent pas complètement. Et j'ai fait des golds sur pas mal de segments, de petits segments. Donc je pense qu'on est sur un PB pace assez large. Donc ouais. Je pense qu'on est pas mal. Faut juste pas que je me chie mais mon monde 7. Et après on sera bon. Il y a juste ce niveau qui est juste giga long et qu'on ne peut pas skip. Si, c'est un Lakitu méchant, enfin un Lakitu gris qui balance des éclairs. Un méchant Lakitu pas gentil. Le méchant. Le méchant. Le Lucky Tonnerre. En vrai, je crois que c'est le vrai nom. Alors en anglais, c'est Lucky Thunder. Du coup, bah, c'est raccord. Hein. Alors là. Hop là, on se calme monsieur. Hop là. Ok. Nice. Comment ça on peut le faire bugger pour qu'il devienne gentil? C'est un troll ça Caroncool. Je reconnais. Allez mec. Ok, nice. Il y a vraiment un bug où il freeze et il peut plus rien faire. Ah ouais. En vrai, c'est possible, mais... Allez, c'est parti.
Ok, je le joue quand même relativement safe celui-là. Dommage. Obligé de faire ça du coup. Bon. Pour cette 2, je vais peut-être acheter un. Je vais peut-être acheter la maison rouge et sauvegarder au cas où il se passe un truc grave. On va finir la run par monte 7, c'est assez stressant, je vais pas vous mentir. This is so nice. Allez, on va sauvegarder. Allez, c'est parti. En vrai, c'est pas trop dur, mais c'est un peu précis. Merde. Ok, on réessaye. Voilà. Y a pas le feu au lac, comme on dit! Ah! On réessaye. On a l'opportunité. Nice. Oh, vas-y, mec, t'es sérieux? Ok. Ok, tout va bien. C'est bon. C'est largement moins bien que mon PB, mais... Ok, c'est passé. Je sais pas si je vais PB facilement, du coup. Non, pas World Record Pace. Non. Pas du tout. Ah, par contre, là, le... Le Hammer Bro, là... Ok. Bam, bam. Je sais absolument pas si je suis on PB pace. Bon pique-nique, Laura. On s'en fout de prendre la pièce étoile, on en a plus besoin.
Hop là. C'est un wiggler colossal. C'est un wiggler géant. OMG. Ça va bientôt être la fin. Mince. J'ai légèrement raté la fin. Nice. J'ai bien fait d'acheter la sauvegarde quand même, hein. Sinon je pense que j'aurais perdu la pace. Salut Sivel! Comment ça va? C'est le retour du Baba! Je vais pas le tenter. Ah putain, c'est pas vrai. Ok, c'est bon. Encore dans un train, Sivel. Ça change pas d'habitude. On dirait que les jours se ressemblent. Ah! Va falloir utiliser petite fleur en rechange là. Ok. Tu as préparé le tournoi Tetris. Ah, c'est vrai que c'est dans pas longtemps. Écoute, gel pour ça, hein. En vrai, est-ce que 1,40 est possible? Non, je pense pas. En vrai, ça va être un 1,51 ou un truc comme ça. Mais bon, au moins, j'arrive à... Si j'arrive à mettre une run sur cette route, j'aurai un référentiel. Et tout se passera bien comme il faut. Nice. C'est très très cool comme catégorie en tout cas. Ah, j'ai dit que c'était le dernier autoscroller 5-4, mais non, j'ai oublié qu'il y avait 7-7. Pourquoi il y a toujours des autoscrollers chiants comme ça? Pourquoi ils sont obligés de faire ça? Hop là. C'était un peu bizarre ça. Whoopsie. Voilà, nous jouons safe. Wow, 43 de pas beaucoup. Allez, sur 7A, je vais tenter de faire un joli truc. Sur 7A, on peut faire des moves sympas.
Ah merde. C'est un peu les risques du métier, on va dire. Bon. Pour cette 5 là, pour cette 5, je sais pas ce que je vais faire, je vais Pourquoi je fais pas ça tout simplement? Ah merde! Ah ça c'est con ça. C'est un peu con quand même. Hein. Wouh! C'est le début de cette 6 et très très chiant. Et j'aimerais bien avoir ma petite fleur. En plus, il va falloir que je... Ouais, de toute façon, il faut que je ramasse le power-up pour accéder à la sortie secrète. Ok. Ok, on n'aura pas 44, on aura 43. Nice. En vrai, j'ai eu pas mal de gold sur cette run, du coup, il y a moyen que ça rattrape un peu le schmilblick, quoi. Ok, donc ce level dure 2 minutes. Cette castle dure 2 minutes aussi, voire 3. Donc le truc un peu tard. J'espère que ça ne va pas me porter préjudice. En principe, non, ça devrait aller. Faudrait que je ramasse la fleur quand même. Après, en soi, il y en avait une autre plus loin. Les niveaux auto-scroll comme ça, c'est les niveaux où vous pouvez très facilement avoir le world record. Donc si jamais vous voulez avoir un world record dans votre vie, vous jouez à ces niveaux. À 7-7-7-7-5-4 aussi du coup. Mais bon, il faut quand même réussir à choper le drapeau le plus tôt possible. Après, c'est pas très compliqué quand tu connais. Voilà, world record.
Yeah, for me, Luigi. Ah, 2,48 celui-là il fait. Mario Kart, oui, Nitro Tracks duo. Mais ça c'est peut-être parce qu'il n'y a personne qui joue cette catégorie. Là en fait c'est juste que par nature, le level est tied par tout le monde quoi. Parce que c'est juste un autoscroller. T'es deuxième maintenant, rip. En fait le reste des niveaux après c'est des. C'est plus de l'auto-scroll donc parce qu'on a fait 8-3 déjà. Donc je sais pas si ce niveau serait skippable avec la bulle de Wonder. Ça serait incroyable. Faudra que je rejoue à Wonder d'ailleurs. Bien sûr. C'est prévu de passer peut-être top FR, ça serait bien. Ça serait assez incroyable. Mais bon. Déjà, sub 2-10, ça sera déjà bien. Hop. L'Aquitonnerre, à nous deux. Oups. OMG, l'Aquitonnerre, c'est lui. Oups. Ok, à 1,40. Bon, je pense que ça va être chaud de sub 1,50. Mais le PB... Le PB m'a l'air quand même bien praticable. Salut Marvel. Luigi. Tu arrives sur une fin de run. Je pense qu'après cette run, je coupe le stream. Hein. Bien sûr, c'était utile ça. C'était très utile. En fait, ça m'a perturbé le fait qu'il y ait, que je prenne la fleur avant. Ça m'a perturbé, je pense. Ce sera pas un sub 1,50 mais un PB je suis quand même beaucoup plus confiant. Le PB est à 1,53,33 pour info, c'est marqué. Hop là.
Marvel ne s'est pas fait d'Aronhead, OMG. Je crois que maintenant ses parents ont compris qu'il aimait beaucoup les jeux vidéo et que c'était peut-être probablement sa passion. Du coup, peut-être qu'il le laisse tranquille. T'as l'anniversaire d'un pote? Eh bien écoute, bon anniversaire à ton pote, de la part de The Rudy. Allez. Oups. Ah, il a 18 ans. C'est un pote qui a 18 ans. Ok. Eh bien, joyeuse majorité à cet homme. Ou cette femme. Hop là. À cette personne, en tout cas. 8-7. Si vous regardez, imagine regarder un live de The Rudy sur une télé, quoi. Imagine, quoi. Non, je déconne, mais imagine quand même. Oups. Joli, très joli 8-7. Ah, t'es au ciné, tu regardes mon live au ciné. T'as loué une salle? OMG. Wow, c'était bizarre ça. J'ai pas de rechange. C'est un peu con. Ça va être un peu tricky pour la suite. Bon, on est clairement sur un PB pace, mais clairement pas un sub 1,50. Même si c'est quand même pas si loin que ça. Hein. Franchement, la prochaine fois sans fail, ça passe. Hein. Hop là. Bon, ça sera pas sub 1,50. Spoiler, ça sera pas sub 1,50, mais ça sera un joli PB, je pense. C'est pas un peu tendu, c'est même impossible, je pense. Mais mon best possible time est même pas affiché.
Décidément, Caroncool, t'es un petit blagueur ce matin. Hop là. Le petit blagueur, il a dit que mon best possible time l'indiquait toujours. Mais bon, là, sachant que le segment fait 2 minutes 30. Eh, peut-être sub 1,51? Peut-être? Alors peut-être? Oh là là. Quel move de dingue! Oui, un glitch sans faire exprès, hein. Qui me clip automatiquement à la fin de la dernière room. Oh merde. Ça c'est moche. Un 50, c'est bon, on l'a passé. Ça sera pas un sub, un 50. Et ouais. Peut-être le sub 1,51. En vrai, ça passe. Allez, come on. Yes, let's go, mec. Let's go. 1,50,53. Oh là là, mec. Mec, la run peut être tellement mieux, genre. En vrai, il y a beaucoup d'endroits où j'ai été très clean, mais au moins j'ai une run faite sur la nouvelle route. Et ça, c'est cool.